Pierre Palmade. Des images de l'humoriste en compagnie de celle qu'il décrit comme son « souffre-douleur ». Le week-end du 6 mai dernier, Pierre Palmade a pu se promener dans les rues de Bordeaux aux côtés de sa famille. La justice a accordé une première sortie. Ou encore l'hôpital de Fondation Rothschild, à Paris. Mais le choix qui a été retenu est le Chupelgrain de Bordeaux. Dans cet établissement exerce la sœur cadette de Pierre Palmade, dans le service de chirurgie dentaire. Elle avait notamment accepté de s'occuper de son grand frère tout en donnant des garanties à la justice. Notons que le dossier médical de l'humoriste est complexe puisqu'il est composé de soins particuliers suite à son AVC et donne programme de sevrage pour addiction à la cocaïne et la 3MMC. La mère de Pierre Palmade a été interdite de visite. Au Chupelgrain, Pierre Palmade a été isolé dans sa chambre, succédant les traitements et les visites de sa sœur. D'ailleurs, sa mère n'a pas eu l'occasion de voir son fils puisque les médecins estiment qu'il est bon pour l'humoriste de rester en isolation le plus possible. En outre, son téléphone portable lui a été confisqué. Ce même téléphone portable avec lequel il avait commandé des substances illicites et qui, par la suite, a été saisi par la police, le 12 février, lors de la perquisition de son domicile. Cet appareil ne reviendra en sa possession qu'après le procès dont la date n'a toujours pas été fixée.